Bonjour à tous et bienvenue sur Mini Army, j'espère que vous êtes bien imprégnés de cette ambiance de guerre, car c'est exactement celle-ci que nous allons reproduire aujourd'hui. Ce diorama représente la nature de notre chère campagne française après une légère averse. L'idée est de mettre en scène notre tank dans un chemin boueux en plein bocage. Cela peut être aussi une scène en Normandie, dans l'est de la France ou encore en Allemagne. En dehors de la réalité géographique, l'objectif principal reste de mettre en scène nos blindés et autres figurines pour les conflits de la Seconde Guerre mondiale. Vous allez découvrir comment créer la structure d'un diorama, son relief, sa végétation ainsi que ses différents effets. Très bon visionnage à tous. Le Sherman que j'ai réalisé appartient au 68e bataillon de blindés de l'armée américaine, reconnaissable avec sa tortue avec des gants de boxe. Lors de mes différentes recherches, j'ai eu la chance de tomber sur un document retraçant le parcours et l'histoire des compagnies de la 68e en France et en Allemagne. Nous pouvons d'ailleurs voir un soldat devant un Sherman Easy 8 avec le même blason, ainsi que d'autres photos en pleine campagne française ou allemande. Entre 1944 et 1945, les différentes compagnies de ce bataillon sont passées en Bretagne, notamment par Brest et Lorient, mais aussi côté Est, à Nancy, jusqu'à prendre la direction de l'Allemagne, notamment en passant par la ville de Merlebach, au niveau de la frontière franco-allemande. Pour trouver de l'inspiration, j'ai continué mes recherches sur des photos de modèles Sherman en France, et j'ai fini par trouver cette photo, avec quasiment le même modèle, dans un chemin en pleine campagne, et c'est donc cette photo qui m'a servi de base pour la réalisation de ce diorama. Une fois votre photo historique trouvée pour satisfaire votre imagination, il est très important de dessiner un croquis du diorama et de penser à la disposition des différents éléments. Pensez toujours à exposer votre modèle en diagonale car cela donne plus de perspective à votre scène. Sur ce projet, un tank au milieu du bocage, en pleine embuscade et sous le feu des obus et des tirs ennemis. Pour la base du diorama, vous pouvez acheter directement des cadres, mais j'ai fait le choix de le réaliser moi-même avec du médium et des champlats. Commencez par prendre les mesures et découpez votre base en médium. Ici, je suis parti sur un rectangle de 40 par 30 cm. Poncez les différents contours avec une lime à bois. Terminez avec du papier de verre. Coupez ensuite les champlats aux bonnes dimensions des côtés de votre diorama. Nous allons ensuite arrondir les extrémités des baguettes pour leur donner un meilleur arrondi et pouvoir avoir les coins qui s'emboîtent le plus proprement possible. Là encore, utilisez des outils pour poncer, lime à bois ou papier de verre suffisent. Nous fixons ensuite les baguettes avec de la colle à bois et avec également quelques pointes pour solidifier l'ensemble. Pour améliorer les jointures ou encore boucher les différents espaces qui pourraient être présents, nous utilisons de la pâte à bois. Après séchage, nous ponçons les excès de pâte à bois afin d'avoir un rendu propre et lisse. Nous passons ensuite à la base de notre relief. Pour cela, pensez à récupérer le polystyrène des colis que vous vous faites livrer. C'est gratuit, léger et avec différentes densités. Ici, je découpe une planche d'environ 1 cm d'épaisseur. Avant collage, vérifiez le positionnement de votre polystyrène. Nous allons ensuite reprendre notre croquis réalisé sur papier et le reproduire sur la base en polystyrène. Cela vous assurera d'avoir un rendu précis avec différents guides de pose. Nous collons ensuite notre base en polystyrène, ici avec de la colle à bois. Afin de préparer le passage d'une diode lumineuse pour l'effet d'explosion, je prépare l'espace nécessaire pour y poser ensuite un petit tuyau en plastique. Je découpe et colle ensuite des baguettes de polystyrène pour les talus et les bords du chemin. N'oubliez pas de toujours travailler sur un espace de travail propre. L'aspirateur sera votre meilleur ami.
Pour la réalisation du relief et du terrain, j'ai testé deux options. La première, ici, avec de la colle à carrelage. Son principal avantage, un temps de séchage plus long, permettant de disposer les différents éléments. Deuxième possibilité, l'utilisation de plâtre de Paris, avec un temps de séchage plus rapide, mais un travail plus fini. Je suis donc parti sur cette solution. J'ai également voulu tester l'une des références des excellents produits de texture de chez Falero, ici avec la couleur de terre marron clair. Posé avec un pinceau pochoir, le rendu est extrêmement réaliste. Une fois les différents tests réalisés, il est temps de passer sur notre diorama. J'ai quand même eu quelques difficultés de mélange, avec notamment un plâtre qui séchait très vite ou qui à la fin était trop liquide. Prenez donc le temps de tester les dosages de vos produits, c'est vraiment important. Je dispose ensuite le tuyau en plastique pour la future LED lumineuse, afin de le fixer dans le plâtre. Je réalise également un trou d'explosion causé par un mortier. Autre difficulté rencontrée à cause des mauvais mélanges, un temps de séchage très long et beaucoup de craquelures. Cela n'est pas grave, car la texture de terre Valero est élastique au séchage et conviendra parfaitement à combler les défauts et rendre le terrain encore plus réaliste. Je recouvre donc l'ensemble du plâtre avec la texture Valero, toujours avec un pinceau pochoir. Je dispose d'une première couche légèrement épaisse ainsi qu'une deuxième après séchage pour combler les quelques manques. Nous allons ensuite apporter de la variation sur notre sol. Pour le collage, la colle de chez Nord est excellente et est invisible au séchage. Vous pouvez utiliser du sable très fin ou d'autres sables plus ou moins épais avec des petits graviers. Lors de l'application de la colle au pinceau, une couche fine suffira, pas besoin de trop en mettre. Saupoudrez ensuite le sable fin et les petits graviers, principalement sur le passage des roues sur le chemin et sur le cratère d'explosion que j'ai réalisé précédemment. Afin de continuer les variations de texture, je pose du sable très fin à différents endroits sur le reste du diorama. Après séchage, il suffira de renverser le diorama et d'aspirer les grains qui ne se seraient pas bien collés. Nous passons ensuite à la peinture du sol. Pour cela, je vais utiliser un mélange composé de marron chocolat de chez Valero, ainsi qu'avec une couleur marron sable. Le tout sera dilué avec le Airbrush Thinner de chez Valero afin d'utiliser notre aérographe. Pensez à varier les dominances de couleurs dans différentes zones. Cela permettra d'avoir un rendu hétérogène et réaliste. Nous allons pouvoir démarrer la pose de la végétation. Pour cela, j'utilise toujours la même colle de chez Nord. Nous allons poser
poser ensuite des fibres d'herbe, de la plus petite à la plus grande taille. Ici, je commence avec des fibres de chez Nord de 2,5 mm de long. Grâce à un applicateur électrostatique, les herbes vont pouvoir se poser dans la colle et à la verticale. Ici, je commence avec le milieu et les bords du chemin. Je continue ensuite à poser la même herbe à différents endroits du diorama. Tout comme avec le sable, renversez votre diorama et réutilisez les herbes pour en appliquer de nouveau. Nous posons ensuite des herbes de la même teinte, mais cette fois-ci d'une longueur de 6 mm. Nous allons privilégier la pose sur les bords du chemin ainsi que dans les champs. Le rendu de notre terrain commence déjà à augmenter en réalisme, et contempler ce terrain suivant différentes sources de luminosité est déjà très satisfaisant. N'oubliez pas d'aspirer les herbes qui ne se seraient pas collées. Nous terminons ensuite par poser des variations d'herbes hautes d'une longueur de 12 mm, toujours de la marque Nord. Même si les herbes sont déjà très réalistes, elles peuvent avoir un rendu trop synthétique. Afin de varier les teintes, nous allons utiliser de la peinture avec notamment du jaune, du vert et du kaki ici de chez Valero. Après l'avoir dilué, nous allons l'appliquer, mais en enlevant préalablement les excès de peinture sur le pinceau. L'idée est de poser un léger voile de couleur à différents endroits, pour donner un rendu hétérogène. Étape très importante maintenant, le vieillissement et la météo de notre diorama. Comme énoncé en introduction, le contexte météorologique du diorama est après une averse. Je vais utiliser les mêmes produits que pour le vieillissement du char, et je commence par appliquer ici de la boue légère de chez MIG. J'applique ensuite de la boue humide de chez MIG pour varier les teintes et les reflets. Je termine ensuite par appliquer de la boue et de la terre européenne ici de chez Valero. Préférez l'utilisation d'un pinceau à poil dur pour appliquer la texture qui est assez épaisse. Nous utilisons ensuite la texture d'eau boueuse de chez AK.
Cela nous permettra de réaliser les flaques d'eau présentes sur le chemin et dans les champs. Pensez à bien agiter le produit et à appliquer de fines couches, sinon cela risque de craqueler. Pour l'application du produit, un petit pinceau souple suffira. Utilisez une aiguille ou un cure-dent pour enlever les bulles qui pourraient se former. Utilisez un mouchoir pour enlever les différents brins d'herbe qui pourraient aussi se coller sur votre pinceau. Pensez à analyser le résultat après séchage et à la lumière extérieure. Pour les arbustes, je suis parti d'une base d'été de chez Mini Nature, où je n'ai gardé que les buissons. Nous utilisons toujours la même colle de chez Nord pour les coller au diorama. Pour les arbres, je vous invite à regarder le tutoriel dédié pour apprendre à les faire. L'objectif ici est d'ajouter du volume au diorama, mais sans surcharger la scène. Prenez le temps de déterminer les futures positions et orientations de vos arbres avant de les coller. Utilisez un simple tournevis cruciforme pour percer délicatement la surface. Pour l'instant, nous plantons juste les arbres, mais sans les coller. Cela va nous permettre de nous assurer du rendu et des positions finales. Nous utilisons ensuite de la colle à bois pour le collage définitif. Dernière touche météorologique, la texture d'eau de chez MIG, également posée précédemment sur le char. Nous allons en mettre sur le chemin et sur quelques endroits de la végétation. Cette texture nous permet ainsi d'améliorer l'effet détrempé de notre chemin. Comme vous avez pu le remarquer, nous avons déjà un trou de mortier dans un champ, et nous allons réaliser, comme prévu, un effet d'explosion juste à côté. Grâce au tuyau en plastique posé précédemment, nous allons utiliser une diode de 12 volts et passer les fils à l'intérieur du tuyau. Afin de ne pas trop manipuler le diorama, les effets de l'explosion vont être faits sur des morceaux de test. C'est très important de vous en faire quelques-uns avant de passer à vos réalisations finales. Je vous invite également à consulter le tutoriel sur l'effet du tir au canon, car nous allons reprendre quelques principes. Nous allons utiliser de la colle en spray, de la colle à bois et du coton afin de créer la forme désirée. Après séchage, nous passons à la peinture du coton à l'aérographe. Nous commençons par une couleur rouge, puis orangée et quelques reflets jaunes. Étant donné que le souffle de l'explosion soulève de la terre, nous allons peindre la surface du coton avec les mêmes couleurs utilisées pour le sol. N'oubliez pas de faire quelques tests pour la luminosité de l'explosion. Je vous conseille également une diode de couleur jaune ou orange que je n'ai pas utilisée ici. Cela vous permettra d'éviter un effet trop blanc. Insistez également sur la base de l'explosion pour la couleur terre.
Même chose pour l'herbe qui accueillera la zone de l'explosion. Nous testons ensuite le positionnement de l'explosion sur l'herbe. Comme vous pouvez le constater, l'explosion a tendance à flotter par-dessus l'herbe. Afin de diminuer cet aspect, nous allons utiliser une tondeuse pour raser les brins d'herbe. Avec l'aide d'une pince, nous pouvons ensuite approcher le coton au plus proche du sol. Afin d'apporter une finition au diorama, nous peignons les contours avec de la peinture acrylique noire. Pensez à bien lisser et poncer les contours avant de mettre la peinture. Un pinceau souple et un peu de diluant seront nécessaires. Et voilà, c'est terminé pour ce superbe diorama. J'espère que cette vidéo vous a plu. Mettez un pouce en l'air, ça motivera beaucoup pour la suite. Et n'hésitez pas à partager vos astuces en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner pour les futures vidéos de Mini Army. D'ici là, rendez-vous aussi sur Instagram pour du contenu exclusif. À très bientôt !